On a regardé là. Joël Kaoli a été arrêté week-end dernier parce que jeudi, hein, fait exactement 8 jours, il faut me rappeler pour pays, hein, pour qui ça a été la caille, monsieur. La police a une information dans mes lits. Et t'assemblé gen détail qui t'est manqué. Jeudi soir, t'as gen un drogue qui tombé sous Marigot. Drogue ça qui sorti vers Colombie selon information yo qui allait dans une localité qui est la Diomoun. Et yo prend ti chaloupe de la Diomoun pour venir débarquer drogue là sous Marigot. M'a parlé de jeudi soir, jeudi dernier. Drogue ça, selon information qui sorti Marigot même, drogue là pendant toute nuit là n'a boté drogue là sorti Marigot pour venir Jacmel. Il y a un pile causé t'a parlé. Bon, m'pa konnen qui type d'information que la police te gagne qui fait que yo te visé directement Kay Joël Kaoli. Et malheureusement pour la police, pour agent BLTS qui passait plusieurs heures à fouiller Kay Joël Kaoli dans zone Lamandou dans Jacmel, apparemment yo pas joine aucun drogue la Kay monsieur. Cependant, la police t'a profité de joindre quelques âmes illégales, la caille monsieur, et y'a procédé à l'arrestation. Ça t'a vint créer un véritable palampile, en pile réaction. Et parmi les réactions que nous t'a suivre sur réseau, yo t'a gagné une réaction Edozeni, qui c'est bon frère monsieur, parce que monsieur marié actisseur, et Dozeni, si je ne me trompe pas. Eh bien, tu as pile parlé sur le dossier. Tu as pile ancien jovenéliste qui tape défendre monsieur parmi yo Renal Luberis qui tape défendre monsieur qui dit que yo pas gen doit arrêter monsieur parce que yo dit ses armes illégales. Et ça, c'est un très mauvais précédent. Nous comprenons qu'on est qui a une entreprise, qui a une zam la kaili, etc. Bah, ça y est, cependant, quel que soit le nègre, il y a une zam qui est illégale la kaili, ou sans autorisation, ou il doit toujours circuler avec lui, pas douanien. Mais si la popo, on le décide d'attaquer ou pour zam illégale, pas de trop plein qu'on a dit. Et yon nan véritable cause qui cause Haïti dans l'état sa tout, gen trop préjugé dans le pays. Gen trop sitirance, trop tolérance, et gen pile sous-sous en Haïti. Depuis c'est un tel, c'est pas grave. Mais laisse un tel condamné. Nous pas grave pays à cause ça. Parce que c'est journaliste lié, souli. Sous fait vie, nous pas connaît ça. Allemand de Liberis qui est bon journaliste lié. Allez, ça, qu'on est boss. Écoutez. Donc, c'est ça qui a crasé Haïti. Bon, avant de me faire considération, bon, je vais vous information. Hein? Donc, vous avez arrêté, monsieur, mais vous n'avez pas rentré pour vous prendre sa clé. Ou qu'on est Jacmel là, c'est Villeneuve. Kembe, monsieur Jacmel, t'es capable, pas facile. Vous êtes obligé de rentrer dans le sud pays à clé. Vous kembe, monsieur, pendant plusieurs jours au caille. Yo tande monsieur plusieurs fois. Et nous pas connait qui ça monsieur dit, etc. Finalement, depuis hier, tu as une information qui fait quoi que monsieur lui-même exigeait pour le rentrer Jacmel et le supposé joindre ordre libération. Pas un problème. Et
Yo rentré Jacmel à monsieur jodi an. Tout 6 heures monsieur était dans le parquet Jacmel là. Monsieur Rivé, j'en ai regardé le sous écran, bien à l'aise. Ça me note parce que son citoyen respecté, respectable, c'est pas ti Jean ni ti Joseph. Si était ti Jean Lamba, bon menti. Me note, ouais, il a tellement me noté deux bras derrière coup crabe. C'est mandel d'a mandé secours si yo ka font ti lâche me note la voler. Vous comprenez? C'est pas difficile. C'est ça me rele préjugé, ah oui. Discrimination. Moun ki partisan Joël ge doit fâché pour ça m'a dit mais son vérité. Parce que nous fait baïo trop clair comme si sousou a tellement rivé loin. Haïti nous souffri de sousou mani. Si était ti Joseph ti Joël que yo té accusé à pas mandé moun après exemple Anel Elisée même si Anel a tacle pour d'être Bobori Magali habite en bas problème mais en garde Anel yo té arrêté monsieur. Monsieur son ancien parlementaire. Monsieur de Genzam normal. Comme Anel toujours Genzam. Et parmi yo, par exemple, Zam, monsieur Zam Kilik, yo te gen papier pour yo. Et Zam, alors, Zam mange kout yo. Mais ça pas empêché monsieur passer de l'année de Bao. Est-ce que vous comprenez? Ça pas empêché yo menoté monsieur. Nous te yon comme yo akwe Anel de bradeye. Ça dit exemple on apprend de Anel ba de Genzam. OK mais monsieur passé 2 ans dans prison quand même. Et yo menoté monsieur le coup, tu as un gros volant dans la République. Parce que le noue. Oh. Ba yo en pile oui. Ba yo. Non ba yo en pile oui. Ça dit ouais Anel. Anel là tellement bat col bois qu'il pas bien avec. Vient nèg brelde il va bien avec gounia t'a dit parce que Anel j'ai nèg noue yo menoté Anel kou krap yo même ka viré kol non humilié le maltraité lui et pour Jean Michel à l'aise lui même pas un problème son pays difficile donc yo monsieur depuis hier t'es gagné en pile information t'a partagé que monsieur supposé libéré jodi a et yo te paraît. Monsieur Rivé dans parquet, il était quand dans le presque 4 heures. Monsieur dans parquet, il était dit libérer le pot qu'on libérer. Nous t'a suivi formation. Hein? Et dosé ni était présent dans parquet. Monsieur était là. Monsieur font bon temps dans casier commissaire gouvernement. Faut m'annoncer que commissaire gouvernement principal Jacmel la pat là. C'est substitut commissaire qui est là, qui bien sûr, substitut commissaire, qui c'est qui représente le ministère public, c'est Jean Wilner Dorméville, c'est monsieur qui est là, notez non ça, Jean Wilner Dorméville, c'est monsieur qui est là, c'est substitut commissaire gouvernement Jacmel. Commissaire principal là qui c'est Yonel Chérima, monsieur Patla. Doyen qui c'est Omeyo Lené, monsieur Patla. Et yo Patla dans audience non. M'pa trouyo, c'est m'ta pisser garder, m'ta garder image non, m'pa trouyo t'es là. OK. Donc c'est Pierre Wilner Dorméville, c'est monsieur t'a géré bagaille. Justement. Donc, juge là, parce que yon pat nan audience là, yon vi lè ou fin tande monsieur nan casier commissaire gouvernement, substitut commissaire gouvernement, qui c'est Pierre Wilner Dorméville, qui bien sûr représente le ministère public, nan cadre audience là. Yon pral monte, jou ap gade monsieur kap antre là, c'est nan audience là, ap monte là, nan salle audience là. Et si vous bien gade nan photo à gauche, ou après monsieur qui chita, même monsieur là, pour contre là, d'ailleurs. OK, dans salle audience là monsieur Chita là, Joël Kaoli, on connaît Natia nèg maou là, n'a pas gardé nèg. Eh bien oui, mes amis, Kaoli, entrepreneur, marchand de drogue, nèg ça n'a pas gardé là qui
gagner des armes illégales dans main, eh bien mes amis, yo libéré monsieur. Jean que nous attendez, monsieur son nèg yo prend et pour des armes illégales. Zame illégal, pas jamais oublier ça, Timo, ça, pas jamais oublier. Yo prend, c'est vrai, la police qui te descend la caille, monsieur, c'est pas réellement des amis illégaux, yo t'allez, parce que son coup de doigt qui fait, et que gon doigt qui tombe, t'as semblé que doigt glatte la caille, monsieur, la police arrive là pour l'arrêter, monsieur, non seulement il récupère le doigt là, eh bien, la police pas joint. Ça le tal cherche ya, j'en ou di ya, mal fini volé, le pa jwenn pou li pran pay. Yo nan fouye kay monsieur, yo tombe sou un seri de zam illégal que monsieur gagne, et bien yo arrête. Mais le problème que gagne, on nèg ou jwenn zam illégal la kay li zam, et pas même homme de poing, c'est homme de guerre ça yo ye. Et bien pour moi même, dans situation paysan yé là, est-ce que son nèg pou nou tal al nan libéré sous caution? Parce que zam illégal pour problème zam illégal à bay nan pays là pour la police là sans problème hein la police là bay et libéré monsieur même si on dit monsieur bay 3 millions goud d'ailleurs le fait seulement que yo mande monsieur 3 millions goud c'est parce que konnen monsieur ka bay li yo mande l'on kòb li ka bay la yo konnen nèg la bay ti kòb sa là pour libérer d'ailleurs pile nan nèg sa aussi nèg sa nan drog vrai. Et mais 3 millions goud, son bout d'amonen li pou nèg la oui. Si oui, parce que m pa vérifier que monsieur nan drogue vrai. Mais si nèg la nan drogue vrai, 3 millions goud son monnaie, son paye monnaie pour monsieur nèg bay la pour yo libérer. Cela veut dire que m pa comprendre cette histoire de deux poids deux mesures. Arnel Belize arrêté pour zam illégal, il fait 2 ans en prison. Kaoli sa la li arrêté pour zam illégal, monsieur pa même fait une semaine pénitentiaire. Est-ce que nous ka expliquer ça? Nous ta aimé nous bon explication et qui plus ou moins est acceptable à ça. Est-ce que kounya là depuis ce petit monsieur pour rouge ça pour clair ça nous prend exam légal c'est pas rien mais laisse bon ou ta quoi là c'est ta un nèg et noir là t'a prend avec exam légal la caille. Nèg ça te même possibilité pour nèg ça te mourir. C'est que pas même arrêter. Eh bien monsieur, moi même pas féliciter la police même. Pas féliciter ni la police, bon pas la police parce que la police t'a arrêté, même pas féliciter la justice parce que on nèg ou prend un zam illégal la caille et nous connaît qui problème zam illégal la bail et mais son nèg qui pour premièrement pour nous kembe pour nous faire monsieur bail côté li acheter zam, côté li acheter munition. En plus son nèg qui doit rester dans prison. Ce n'est qui doit rester dans prison, moi je ne pas comprendre et cette histoire que monsieur libéré, je ne pas comprendre ça. M'a essayé comprendre, m'a pas comprendre. On a groupé avec type d'âme ça, ou son âme qui tellement puissant âme yo prend dans même monsieur. Waouh. Moi tout ça qui a passé dans tête moi, c'est les ont arrêté Anel Belizer. Yo arrêté Anel Belizer. Bien marré, toujours à mes notes dans bral. D'ailleurs, pas de gens moi Anel Belizer pas de game notes dans bral. Monsieur était toujours game notes. Monsieur dit moi pour monsieur a monté machin là bien vague et bagaille. En plus pour un juge gagner et le culot un juge gagner et une cap dit et gagner 100 éthique pour juste la libérer nèg lui dit bon mettre bay 3 millions goud ou libre. Cela veut dire que la vie haïtien vaut 3 millions goud. La vie pas gen prix non moi même m'pa di monsieur nan tuer moun m'pa wè mes zami légal pour bagage zami légal a fè nan pays la deux pour nèg zami légal m'pense direction droite c'est pénitentiaire non seulement direction pénitentiaire en plus fè moun nan parler pour le bay source qui côté provenant zam nan qui côté l'acheter qui côté l'acheter cartouche pour mettre là-dedans en plus son nèg nou gen soupçon drogue sou li. Ça que dit nous monsieur pas dans drogue vrai gen doit prendre dans police a venir monsieur étant déplacer drogue là mettre dans l'autre côté. Cela veut dire que vous senti pas gagner vraiment une investigation vraiment qui faite mais c'est seulement parce que monsieur son nèg et pour clair et bien et nèg ça il paraît dans prison comme si prison faite seulement pour tirer la pli pour bougoy pour et la mort sans jour etc.
Donc moi-même pas vraiment sacrifié, elle pas fait me plaisir même parce que au moins parce que monsieur était doué font petit temps en prison même si nous t'a pas la gueule par la suite mais au moins monsieur et nous pas t'a fait bagarre là comme ça.